Hello, hello, mes chers amis, bienvenue pour les tirages du mois de février 2022. Je vais regarder les prévisions que je vais avoir pour votre signe pour le mois de février. Ce sera le tirage général, puis viendra le tirage sentimental, donc en deux parties, et c'est le tirage complet du mois et non du 1 au 15. Donc, on va regarder quel sera le signe aujourd'hui. On va regarder pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Bienvenue pour votre vidéo. Alors, on va regarder, comme je l'ai dit, avec des cartes d'énergie, comme toujours. Comme la vidéo du petit le Normand n'avait pas l'air d'avoir plu, j'ai effacé pour les béliers, je referai. Je vais faire les tirages aux oracles, comme d'habitude, et au tarot. D'accord? Les cancers, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, si par exemple ça parle. Pas tout pour vous, une partie ou pour compléter ce tirage. Et puis à tous, bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci d'être là, merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, de cliquer la cloche d'en haut pour recevoir toutes les vidéos qui sortent. Si vous désirez aussi une guidance personnalisée pour vous, un tirage privé, vous pouvez m'écrire donc sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous réponds dans les 3 jours. Vous avez votre tirage. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par les énergies. Pour les cancers, donc j'ai fait les gémeaux tout à l'heure. Vous pouvez être assez proche au niveau des énergies. Vu que vous êtes le signe juste suivant. Pour le mois de février, les cancers. Quelle énergie pour les cancers en février 2022? Là, j'ai une carte qui a sauté. Il y a des réjouissances, des célébrations. Vous allez fêter quelque chose, il y a une réussite. Une réussite importante. Février 2022 pour les cancers. Ok. Et on retrouve un certain équilibre. Vous avez une protection aussi spirituelle, un bel équilibre qui revient aussi. Les cancers, ça c'est bien. Vous célébrez peut-être aussi, alors soit après des difficultés relationnelles, vous avez dû couper, vous êtes trompé, qui n'était pas facile. Il y aura une réussite, on va voir par rapport à quoi. Ou vous vous lancez dans un projet, vous avez dû faire une formation, où vous allez réussir. Et l'équilibre revient, hein. Vous recentrez. C'est très bien, il y a l'ange aussi qui vous protège. Donc les cancers, février 2022. Cancer, février 2022 au niveau des énergies. Cancer, février 2022 au niveau de vos énergies. Et n'hésitez pas à commenter quand ça vous parle, quand ça résonne pour vous. Cancer, février 2022. J'ai pas eu de carte qui ont sauté, on va regarder comme ça. Je vais voir avec le tarot. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, une sorte d'attachement. Alors, on pourrait voir que vous êtes attaché peut-être à certains amis ou à certaines personnes de votre entourage. Où il y a une certaine dépendance. Ou des personnes qui peuvent aussi vous manipuler, avoir une influence sur vous. Pour vous garder, pour vous maintenir dans un état d'esprit, dans une situation particulière. C'est ce que je ressens tout de suite. Donc, il y a des groupes de personnes. Il y a des personnes, famille, amis, communauté, travail, qui vous tiennent. Ou c'est l'inverse, mais je ne pense pas. Je pense sur vous. Soyez attentif à cela. Peut-être qu'il faudra prendre le large. Parce que là, c'est comme le diable. Il y a une espèce de manipulation. Vous êtes attaché encore. Donc, manipulé pour des personnes qui sont fausses avec le masque qui ressort. Donc, des personnes qui vous disent, voilà, ce qui est bien pour toi, c'est ça. Alors que non, c'est pour leur propre intérêt. Le tirage du tarot, on va voir ce qu'il nous donne. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle, avec 3 oracles. Je demande pour les cancers, pour le mois de février 2022, cancer février 2022. Cancer, février 2022. Ok, qu'est-ce qui arrive pour vous? Pour
ce nouveau mois. Carte pour, carte passé proche, ça c'est le présent, le conseil. Alors on vous dit encore, et je crois que je l'ai vu en janvier, d'être et de prendre le temps de réfléchir, d'avoir une clarté d'esprit, de savoir où on va, faire un retour sur soi, avoir un besoin de solitude, avoir besoin de réfléchir où on va. Peut-être comment se sortir d'une certaine dépendance ou de ces personnes qui nous manipulent. Il y a une prise de conscience qui peut se faire aussi par rapport à ça. D'accord? On vous conseille de ne pas vous précipiter, de bien analyser les situations, de bien chercher ce qu'il en est. Dans un passé proche, la situation de votre vie, dans tous les domaines ou dans un domaine particulier, était bloquée ou il n'y a pas longtemps, vous vous êtes mis... et ça, je le ressens du mois passé, où vous êtes mis à l'arrêt complètement pour vous-même réfléchir. Un peu comme l'ermite, ça colle. Ces deux cartes qui sont proches, similaires. C'est vous qui vous posez. Vous n'avez pas forcément commencer un nouveau travail, une nouvelle vie, mais c'est encore prendre le temps pour soi, pour réfléchir et savoir où on va. Là, en début février, on est encore dans cette énergie. On nous dit encore de bien éclairer les choses. Pourtant, c'est dans l'énergie, je vais redire, du commencement qui est présente, qui domine dans votre mois de février, les cancers. Il y a bien quelque chose qui se prépare, il y a bien un projet, un amour, une situation, un travail qui est dans l'univers, on va dire, qui se prépare en gestation ou en vous. Comme j'adore cette carte, on voit bien que c'est dans l'univers, dans le ciel, qu'il y a le numéro 1. Donc, il y a quelque chose qui va commencer, qui va descendre dans la matière et qui pourra se transformer en quelque chose de matériel. Un projet, un amour, une relation, un couple, un travail, etc. Un désir de voyage ou autre. En réponse pour vous, la justice. Alors, ça peut être soit quelque chose qui va arriver de manière actée, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose comme ça aussi, administratif, un papier. Ça peut être une réponse de justice que certains pourront recevoir ici les cancers, ou ça peut être la nécessité de couper avec ce qui ne vous convient plus. Donc, on voit bien sur cette carte le négatif qui n'est plus pour vous et... simplement se concentrer sur ce qui est bon pour vous, de trancher. Voilà, je tranche, je réfléchis à ça, je suis en arrêt pour me fixer un petit peu et voir une vue d'ensemble sur ce que je vis. Il y a quelque chose que je vais mettre en place, mais il faut que j'enlève d'abord une partie de ce qui est plus bon. Là, le tarot est très bien et très clair. Alors, le sixième sens, qu'est-ce qu'il va nous donner? Les cancers pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Cancer en février 2022. Cancer en février 2022. Cancer en février 2022. Alors, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. Je pense qu'il y aura beaucoup de signes en ce mois de février. Nouveau départ, nouvelle jeunesse. Février, cancer. Signe des cancers pour le mois de février 2022. Signe des cancers, février 2022. Ok. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits peut-être dans une relation. Vous, vous étiez en conflit avec autrui, on voit que vous étiez seul face à beaucoup de monde, hein. Vous êtes un peu mis, tout le monde contre votre dos, on voit, mis à dos certaines personnes, et à revoir, il faudra revoir ce point-là, je crois que je l'avais vu au niveau relationnel assez fortement en janvier, fin janvier. Ellie, coucou.
Donc, février pour les cancers. Donc, vous pouvez encore regarder vos tirages, bien sûr, de la fin janvier, du 15 au 31 janvier 2022. Et vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Il y a une période d'instabilité où tout allait s'écrouler. Cette notion de justice hein, qui est quand même présente. Il y a pour certains des procédures de justice, peut-être des divorces, des séparations, de biens, de relations. N'oubliez pas ça, cet attachement ou cette manipulation de certaines personnes qu'il vous faudra régler. On nous dit bien qu'il y a une situation qui est très tangible et qui risque de s'effondrer, qu'il va falloir régler. Vous allez pourtant avoir la réussite, vous avez l'équilibre et la réussite. Donc, peut-être ça a été tangent les mois précédents. Il y a des nouvelles qui viennent. J'ai dit, il y avait quelque chose d'acté, hein, avec la justice. C'est possible qu'il y ait un papier, je vous ai dit, un contrat, un projet, une réponse pour un nouveau travail ou autre, appartement, quelque chose d'officiel qui va acter une situation. C'est bien pour ce mois de février et vous allez pouvoir avancer grâce à des nouvelles, grâce à un papier, grâce à quelque chose de, comme je vous ai dit, administratif ou judiciaire. D'après cela, ça va aussi vous permettre de prendre une nouvelle porte, un nouveau chemin, une nouvelle voie. Donc, par rapport à votre situation, toujours à voir, ça peut être le sentimental, le pro, hein, votre situation à vous. On prend une nouvelle porte grâce à des nouvelles qui arrivent ici en février pour un renouveau qu'on a vu tout à l'heure. Ok ? Et l'instabilité, pour moi, se termine. Hein, pour trouver un équilibre. C'est comme si la situation était instable. Vous êtes entre deux et là, il y a des papiers, des nouvelles qui viennent. J'espère assez tôt dans le mois de février. Vous n'avez pas trop à attendre. Et vous allez, grâce à ça, pouvoir prendre une nouvelle porte. Alors, maintenant, je vais compléter avec l'oracle de G. Cancer, février 2022. Cancer, février 2022. Cancer, février 2022. L'équilibre, à nouveau. Il y a nécessité de retrouver votre base. Et 1, 2, 3, 1. Déséquilibre, équilibre. Ouais. Si vous voyez la dépendance autour de vous, de qui vous manipule, je vous conseille de faire un tri. Hein. Cancer, février 2022. Cancer, février 2022. Belle amélioration aussi comme les Gémeaux. Le soleil arrive sur vous, éclaircit les situations, améliore votre vie, retrouve un équilibre, apporte réponse à vos demandes. Peut-être de l'argent qui rentre. On change de chemin. Je ne sais pas dans quel sens elle va, mais je dirais comme ça, c'est pour l'évolution. Votre chemin s'éclaircit. On avance vers autre chose. Après une période où on vous a fait mal, peut-être justement vous êtes en procédure hein, avec quelqu'un. Peut-être vous êtes en procès prud'homme ou autre. Ouais, ou une situation où vous avez fait du mal à quelqu'un, ou on vous a fait du mal, quelque chose assez douloureux hein, qu'il y a eu. Mais on avance, on laisse maintenant de côté tout ça. Ça peut être aussi encore cette notion de manipulation. Il faut vraiment être conscient de ça et le stopper ou stopper les gens qui vous manipulent tout simplement. On retrouve une belle chaleur humaine après tout ça. On se réconcilie, il y a quelque chose qui va mieux. Il y a le soleil, le feu, la chaleur du foyer. Des choses qui vont beaucoup mieux ici pour vous. Donc c'est sympa. Hein?
après les difficultés, après les douleurs, après ça te fait du mal, ça te fait trahir ou mal conseillé, on a la chaleur humaine qui revient, le foyer, la douceur. On va regarder avec la triade. Ce sera le dernier oracle. Cancer pour le mois de février 2022. Il y a bien un renouveau, un beau renouveau et un bel équilibre qui revient chez vous comme les Gémeaux. Les cancers pour le mois de février 2022. Cancer, février 2022. Généralement, ça ne saute pas, mais on a l'amour qui sort. Vous allez célébrer quelque chose, vous allez avoir gain de cause. Hein? D'accord? Il y a un gain de cause, une réussite, de l'argent qui peut arriver. Après, des personnes pas très, très correctes. En tout cas, vous avez eu des conflits avec certaines personnes. Pour le mois de février, cancer, pour le mois de février. L'amour, on va voir pourquoi. Est-ce que ça nous parle d'amour ici? Est-ce que ça nous parle de l'amour de soi? Et puis après, je vais vous donner des conseils, des messages angéliques. Vous avez fini une boucle pour moi. Vous êtes dans les fins de karma, de compréhension de ce qui vous... de ce que vous répétiez ou de ce que vous viviez depuis longtemps. Amour de soi, respect de soi et des autres. On ferme cette boucle, elle se termine. Termine un cycle. L'équilibre, vous avez vu le nombre de fois qu'il est arrivé. Et on finit un cycle, qu'est-ce que je vous dis? On finit, vous finissez une période de votre vie qui pourrait parler pas mal de trahison aussi. Et... on a un peu cabossé, c'est pour ça que la tour est penchée. Mais vous avez quand même cette notion de retrouver votre base, votre entièreté. L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. C'est parfait, même si vous êtes un signe d'eau. Vous aurez peut-être des sacrifices à faire pour ces prochains mois. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent, ou ça va arriver plus tard. Ou ça s'est passé dans le passé aussi, passé proche. Et l'importance de la méditation là qui sort, c'est un peu comme j'ai vu avec le tarot, vous voyez, des fois ça se retrouve. On a eu l'ermite. Donc quand même, durant ce mois, les cancers, ce sera bien de prendre quand même du temps hein, pour vous. Vous finissez le cycle, il y a quelque chose qui se termine, vous êtes entre deux comme beaucoup de signes. Vous avez retrouvé votre moi. Très très bien. Alors il y a eu peut-être des sacrifices ou il y en aura dans ce mois de février. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Il y a des choses qu'il y aura à mettre de côté. Hein. C'est un peu comme la justice. Je vous ai dit, il y a des choses que vous devez voilà, sacrifier pour d'autres. Et là, l'importance quand même en ce mois, c'est bien se poser, savoir ce qui est bon pour nous et y aller. L'ermite, méditation, réflexion, retour sur soi, qui va nous permettre un très bel équilibre de se faire. Et surtout aussi, je vous dis, n'oubliez pas de régler ça avec ces personnes. Parce que ça sort quand même qu'il y a une communauté qui est autour de vous, avec qui il y a de la manipulation, où il y a eu, où vous avez eu. Je vais prendre trois cartes des messages angéliques pour terminer. Et je vous retrouverai dans les tirages sentimentaux. Quel message pour les cancers en février 2022? Quel message pour les cancers en février 2022? Bon, j'ai trois cartes. Je voulais justement prendre trois conseils. Non, il y en a trop. Je vais tirer au sort. 1, 2, pour les cancers. Voilà, méditation. La méditation vous apportera des réponses. Elle est là. Il y aura des grands changements positifs dans votre vie. Tout dépend de toi, le libre arbitre, comme les Gémeaux tout à l'heure.
Et il sera important de bien communiquer, peut-être si vous n'arrivez pas à faire partager vos idées à autrui ou que vous avez de la peine à vous faire comprendre. Là, il faudra être clair, il faudra bien parler, bien vous faire comprendre, mes chers amis. Cancer, merci pour vos retours. J'espère que ce tirage vous plaira et je vous retrouve dans les tirages sentimentaux. À tout bientôt!